Enfin, j'ai accompagné Célia et Emma au shot, je vais pisser, et un gars à côté de moi il pissait, je lui sors la blague, il était mort de rire. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, ah belle blague de bof. Mais il me dit, mais j'adore ça. Il me dit, t'es un peu Patrick Sébastien. Je suis pas drôle, mais je sors pas tout le temps en plein de blagues et tout. Donc ouais, là j'avoue, c'est lui. C'est une de mes meilleures publics. C'est pour une blague pour les garçons. Voilà. Quand on va pisser, les gars, on a beau la secouer, l'essuyer, tout ce que vous voulez, il y aura toujours la dernière goutte dans le caleçon. Tu sais pourquoi? T'as déjà vu une bite faire? L'autre fois, quand on était à la soirée ensemble, je pisse. Tu sais, on était aux toilettes. Enfin, j'ai accompagné Célia et Emma au shot, je vais pisser, et un gars à côté de moi il pissait, je lui sors la blague, il était mort de rire. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, ah belle blague de bof. Mais il me dit, mais j'adore ça. Il me dit, t'es un peu Patrick Sébastien. Et moi je lui fais quoi? Eh ouais, c'est ça, bienvenue. Et je lui parlais avec la voix de Patrick Sébastien. Et ouais, mais l'effet de l'alcool, c'est pas toujours... Ah là, je bois pas, donc je suis pas drôle en fait. Pas besoin de ça. Moi. Ah, quoique, toi aussi t'es une peste. Ah bon? Ouais, moi j'aime bien me moquer. Non, mais moi aussi j'aime bien me moquer. Ouais, enfin, surtout ouais. Genre, si ton complexe est ton nez, je vais parler de ton nez toute la journée. Je vais faire chier. Non, moi, avec mes copines, c'est vrai qu'on critique beaucoup les autres et tout, voilà, mais c'est pas méchant, c'est juste pour rigoler entre nous, en fait. Ouais, mais c'est une peste, elle aime bien critiquer, quand même. Lui. Et le nom. On va voir ça au test de culture générale. Oh putain, je le sais, ça. Mais quoi? C'est ceux qui aiment les œufs? Non. No, God! Parce que... Moi je pense que je suis un peu plus intelligente quand même. Tout simplement. Sur certains trucs. Non, déjà on n'a pas dit intelligent, on a dit cultivé. C'est déjà de l'intelligence, je te dépasse. Au niveau de la culture, elle a eu peur du test de culture G, non? Non. Voilà, moi j'ai pas peur. Alors moi j'avoue, j'ai beaucoup de maquillage, les cheveux et tout, les ongles, les cils et tout. Enfin non, je fais du mascara. Mais ça va, toi aussi, hein, t'as des. Je suis authentique. Voilà. Tout ce que je fais, c'est du shampoing et du masque dans mes cheveux. Il n'y a pas de crème, il n'y a rien. Voilà. Non, moi, je suis 100%, pas de filtre aussi. Pas de retouche. Voilà. Je le dis. J'avoue, je mets beaucoup de filtre Snapchat. ça va. Non, bon, c'est moi. J'avoue. Ah, comme tu me vois là, je serai en face de toi. Toi. C'est bien aussi parce qu'elle s'élève plutôt pour se maquiller. Je suis chien. Je t'ai dit que j'étais moqueur. Zéro tatouage. Ah ben zéro. Voilà, c'est moi. 3, 4, 5. J'ai mon pissier, lui. Ah voilà. Oui. Moi j'ai rien refait, je vous jure. Personne. Ah moi aussi j'ai fait les boobs. Mais petit taille pour pas que ça se voit. Non. Personne. j'aurais un complexe, peut-être que j'aurais fait, mais... Regardez. Arrête. Attends. Ah. Elle a un beau nez. Tu vois, ça c'est... Ouais. Non, ça va. J'ai rien contre ceux qui refont, hein, parce que je pense que c'est un complexe, mais... Les lèvres un peu, non? Pas du tout. Elle a la lèvre inférieure quand même. Arrête. On dirait qu'elle boude tout le temps. Aucun. Aucun, ouais. Moi, je crois. Non? Toi, tu es pas une pleureuse, je suis pas une pleureuse non plus, mais non, moi, je m'exprime dans le... Tu sais? Moi, je garde tout en moi. C'est toi, t'es... Je suis neutre. On peut pas savoir, elle, ce qu'elle pense. Bah, c'est toi. Ouais. Moi, on peut me contrôler. Peut-être. moi aussi. J'ai des limites quand même. Non, je pense que quand tu t'énerves vraiment, genre, on peut pas te retenir, toi. Ah, ouais.
Non, pas souvent, pas mais, souvent bon, mais quand ça arrive, c'est pas pour rien et franchement, je deviens dingue. Ouais. C'est que je deviens encore plus dingue que quand je rigole, tu vois. ouais, je pense. Ouais. À éviter. Bah lui, moi, je ne drague jamais. J'ai jamais dragué de ma vie, j'ai jamais dragué, donc c'est lui. Mais la vie de ma mère, c'est un truc de fou quand même. C'est logique, on est dans un monde, une culture en France où c'est l'homme qui courtise la femme. Bah oui, non, donc ouais, forcément. Non, j'ai pas dit le contraire, je dis juste que c'est, normalement c'est l'homme, non c'est toi. Moi je drague pas. Non, bah, c'est moi, drague. Allez. Ouais. Bah ça va, bon, j'ai pas à dire non de toute façon. C'est toi. Tu sais, quand tu devais venir me chercher, il devait venir me chercher à 14h, il est venu me chercher à 15h. Ça c'est le minimum ça. Voilà. J'ai un pote à moi, il me donne toujours rendez-vous au moins une demi-heure avant pour que je sois à l'heure, genre. Ah non, c'est lui. Dingue. Oh là là, c'est dur ça. Bah, la dernière fois, je voulais payer au resto, il a pas voulu. Donc c'est lui qui a payé et j'ai forcé, hein. Tu te rappelles ou pas? Ouais. Alors j'ai dit non, vas-y, c'est bon, c'est pour moi et tout. J'ai des techniques pour payer, tu vois. Et du coup, ben. Donc. Du genre. Non, mais moi aussi, je suis grave généreuse et tout, hein. Tu vois, mais... si tu veux payer, tu fais genre, tu vas aux toilettes et tu payes, ou alors. Ou alors tu dis. On fait alors là, pour pas qu'elle m'affiche pas, tu dis on divise en deux, ouais. Moi je paye en premier, en fait tu payes tout. Au moins, tu casses pas les couilles. Mmh. Ou alors. Tu... Ou alors, plus simple, le serveur il prendra toujours la carte du mec. Voilà. Je sais pas, je le connais pas dans sa vie sexuelle. Donc... Ouais, c'est ça, allez, dis-le. Non. Je rigole. Franchement, je sais pas. Moi, je pense que c'est lui. Hein. Ouais. Moi, je pense que c'est toi. Moi, je pense aussi que c'est moi. C'est vrai que celle-là, je la vois pas cochonne. C'était une petite cochonne. Arrête, dis pas ça. Quoi? Mais j'ai dit que je te voyais pas cochonne. Ça te fait rire? Ah, ça va, elle dit que je suis coincée aussi. Je dis pas que t'es coincée. Je dis que je te vois pas en mode body leopard, coquin. Attends, je tape pour moi, j'en fous. Ça veut dire quoi ça? Aimer l'argent. Tu penses que j'aime l'argent ou pas? Non, l'autre fois j'ai dit que t'es une fille pas chère, mais c'était mal interprété. Non. Non, parce que la dernière fois, j'ai dit voilà, je suis avec Célia, mais dans le sens, c'est pas une michto en fait. Non, je me suis mal exprimé. C'est pas que c'est pas une fille pas chère, c'est que c'est une fille qui s'intéresse pas à l'argent des gens avec qui elle est. Mm. Voilà. Elle est pas vénale en fait. Bah, je sais pas, non, aucun. Ouais, aucun. Non. On est à peu près les mêmes personnes, on a c'est à peu la les mêmes. C'est la race. On se retrouve bien. C'est la race. Ben moi, faux, mais pour les mauvaises. Les blagues. Ça dépend, Les blagues. Pour les blagues. T'inquiète. Ouais. Les mauvais coups, tu sais. Ouais. Moi, je suis pas jalouse. Franchement, après, je sais pas comment t'es dans tes relations. Hein. Moi, je peux un peu être jalouse, par exemple. Je vois que mon mec, il regarde une autre fille, c'est normal. Mais sinon, je vais pas lui dire, ouais, tu fais quoi, tu machin, ben... Non. Et toi? Ouais, c'est plus fort que moi quand même. Ah ouais? Genre, j'essaie de pas l'être, je le suis pas, je le suis de moins en moins en c'est fait. C'est plus fort que toi. Mais des fois, c'est plus fort que moi. Tu es obligé de dire un truc, genre, oh, 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 oh. C'est quoi, tu vois, c'est quoi ce message? C'est qu'est-ce que c'est? Ouais. Toi, à large. Pourquoi? Ah, des fois, t'as des réponses. Elle doit envie de te gifler, quoi. Non, mais dans cette interview, tu vois, des fois, elle répond des trucs genre. Ah, c'est toi. Ouais. Non? Comme quoi, j'ai du coup. Ben, insolent, ouais, non. Pff, genre, elle hésite pas à piquer, quoi, quand même. Ouais, mais c'est parce que dans les aventures, t'es obligé. Moi, je suis pas contre à rien. Comment ça, t'es obligé? Bah, quand t'es face à une concurrente, tu vas pas lui dire ah, ma copine, ça va, tu vas bien. Bah, franchement, nous, c'était ça avec Julien. C'est limite lui qui me soutenait face à Lisa Rose, trop drôle. C'était fair play. Franchement, je vais pas faire genre, je suis pas attentionnée et tout, mais je me trouve pas attentionnée. Enfin, ça dépend.
Envers mon petit copain ou envers les amis? Ouais. Bah, envers moi, avec mes copines, ouais, je suis très intentionnée. Quand elles me racontent leurs histoires et tout, je suis à l'écoute. Que ce soit ma famille et tout. Bah, après, mon mec. C'est vrai, c'est comme ça qu'on a sympathisé en fait. On s'est vu pas longtemps dans l'aventure. Et après, on a fait un groupe un peu tous ensemble. Et après, on se parlait un peu en privé et tout. Elle me donnait plein de conseils parce qu'elle avait déjà fait de la télé. Et puis moi, pareil, sur d'autres trucs. Genre, ouais. Tous les deux, franchement, ouais, tous les deux attentionnés. Ouais, on est pareil, ouais. Bah moi. Ah, sans hésiter, moi. Mais non. Arrête, ça va. Je suis trop stylé. Pas stylé, t'es classe. Moi, je suis stylé. Bon bah ça va, j'accepte. J'accepte. Ah oui, mais d'ailleurs, attends. D'ailleurs, elle a critiqué mon style. Elle a dit qu'elle voulait reprendre mon style. Moi, j'adore mon style. Quand je veux bien mais m'habiller, je suis bon bien style. Habillé. Mais j'aimerais bien que t'en aies un, que t'aies plusieurs styles. Mais j'ai plusieurs styles. Non. Regarde, là, là je suis un peu en mode... Pikachu. Ouais. Je suis en mode, je vends des 10. Après, des fois, Non. Des fois, je j'ai pense, un voilà, truc... Voilà, lui, c'est plus stylé, et moi, je suis la plus classe. T'as le chemin des 10, si t'as pas plu. Ah, franchement, je laisse à lui. Je fais zéro sport, j'ai jamais fait de sport de ma vie, à part à l'école en EPS, parce que j'ai pas le choix. Alors, pour dire, comme je suis plus sportif qu'elle, même si je passais mes journées sur Netflix, je ferais plus de sport qu'elle. J'ai fait zéro sport dans ma vie. Donc, c'est lui. C'est dommage. Dis que je suis pas bien, vas-y. Bah, t'aurais pu être... Toi, t'es Célia à la base, t'aurais pu être Eva Longoria. Mais qui t'a dit? Je faisais de l'athlétisme et de la salle, j'ai toujours fait de la salle. Bon, après, quand j'étais petit, j'en ai fait du sport. Et ça tombe bien, juste avant de faire de la télé, j'ai arrêté le sport. Genre... 3 mois avant les Princes et du coup ça faisait 6 mois avant les Anges, plus de sport. Et j'ai pris du poids juste avant de faire la télé, ça tombait bien. Tu vois. Avant j'étais un peu mieux foutu. Je faisais de l'athlétisme et je m'entraînais 1 à 2 fois par jour. C'est moi. Bah je pense que les garçons sont un peu plus dominants que les femmes, donc je le laisse. Je te laisse. Le trophée. Non, c'est lui. Bah, c'est lui, c'est... Ah, c'est moi, bon, ouais. Je m'encarre de tout, tu vois. Mais pas, bah, il va te faire mal, il faut te faire peur. C'est bon, hein. Bah moi, j'avoue que genre l'été, j'aime bien genre mini short, mini haut, maillot de bain. C'est pas exhibitionniste ça. Quoi? Mini short, mini haut, oui, c'est non, pas mais exhibitionniste. Je veux dire... Oui, non mais je sais, mais je veux dire, je suis pas très bien habillée quoi. Maillot de bain, bah, si c'est à la plage, ouais. Oui, non mais moi quand j'étais à Ibiza dans la rue, j'étais en maillot de bain. Ouais, mais c'est Ibiza. Ça se lâche à Ibiza. Ça se lâche à Ibiza, hein. Ma copine elle m'a dit, on est pas au Cap d'Agde. Malheur, quoi, c'est toi alors? Bah en boîte il nous en a fait une. Il a baissé son pantalon. Il y avait I'm sexy and I know it. Donc comme dans le clip, tu sais, j'ai baissé mon truc, j'ai baissé mon pantalon, j'étais en caleçon et j'envoyais des Wiggle. C'est bon. Je sais pas. Ah, c'est bon. Je pense pas. Le truc de la fille pas chère, c'était maladroit. Ouais. Parce que c'est pas ce que je suis trop maladroit, je m'exprime mal des fois. Je me suis tué des plans comme ça, je te dis. Sur une phrase mal placée. Lui. Moi, je fais pas trop la fête, hein. Ça m'arrive de temps en temps de sortir en boîte ou quoi, mais je suis pas trop meuf de la nuit. Moi non plus, je suis pas un gros nighter. Mais j'aime bien les fêtes entre potes, j'aime bien me défouler, ouais. Moi, c'est vraiment, si je fais une grosse fête, c'est vraiment une fois tous les 2-3 mois. Vraiment. Genre, je sors pas beaucoup en boîte, moi. C'est mamie gâteau, elle. Mais non, je préfère les sortir entre mes copines posées, on discute. En boîte, tu veux discuter avec qui? On discute, on critique. Voilà. Voilà. Ça, c'est des soirées. Ça, c'est des vrais.
Ça veut dire quoi tête brûlée? C'est genre... Ah, moi, je suis très têtue, hein. Ah ouais? Ah ouais. Ah, moi, je laisse pas la faire tant que j'ai pas mais tort. Moi aussi, et même quand j'ai tort, je trouve moyen d'avoir raison. Oh, je veux toujours avoir raison, genre. Je veux pas avoir tort. Ah non, je suis... Bah, on est pareil, alors. Même si t'as tort. Ouais, même si j'ai tort, j'essaie de rattraper le truc. Genre, non, je retourne la situation. Ouais, je sais pas, les deux, sûrement. Tu crois qu'on va dire nous, genre? Non, allez, si vraiment, genre, j'aime vraiment, vraiment la personne. Ah ouais? Je vais faire le canard, hein, mais en cachette. C'est quoi en cachette? Vas-y, genre, explique. Je vais faire le canard, mais sans trop le faire, tu vois. Un petit peu, genre des petites phrases, genre... Je sais pas comment expliquer. Pas trop, mais un peu. Bon, en gros, elle va... En gros, hein, c'est... Mais bon, d'habitude, elle va un peu courir derrière le mec, quoi. Voilà. Quoi? C'est ça. Tu vas un peu venir vers le mec. Non, mais ça, jamais de la vie. Non, ça, jamais de la vie. Mais je te dis, quand je suis en couple et que ça va pas ou qu'il y a une embrouille, je vais essayer d'un peu... Tu prends sur toi. Ouais, je vais essayer de rattraper un peu la sauce, genre, s'il te plaît, tout. Ouais. Mais sinon, jamais de la vie, je vais voir un mec. Jamais. Et pourquoi? Parce que pour moi, c'est le garçon qui doit venir voir la fille. Ah, t'as vu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Moi, t'es une meuf, voilà, je vous le dis, les filles. Quand un mec il vous plaît, faut y aller. Voilà, non, moi, faut pas attendre la pleine lune pour se réveiller. Moi, si un mec il me plaît, je vais lui faire comprendre qu'il me plaît. Comment? Mais. Donne des techniques de meuf, comme ça je sais quand je plais. Vas-y. Tu vas liker une photo sur Insta? Ah putain, bah alors il y en a des meufs qui veulent que je les chope. Hein. Oh pauvre! Quand ils en aiment 5-6, tu comprends que quelque chose. Non, mais ou en quand soirée. En une... Ou en soirée, ça dépend où c'est en soirée. Non, mais ça, c'est le genre de meuf qu'après, quand elle a aimé la photo d'un gars et que le mec lui envoie un message, tu vois, c'est un charo. Non, bah, t'as aimé sa photo, voilà. Non, tu viens de te trahir. Déjà, je like pas beaucoup de photos sur Insta. Donc si vraiment je like, c'est vraiment j'aime. Elle like toutes mes dernières photos. Je te suis. On se suit. C'est normal, moi je like les photos de gens que je suis. Ouais. Mais c'est un gros canard, oui. Je suis un canard de ouf. Non, moi j'aime pas faire les choses à moitié. Voilà. Après, quand la personne me casse les pieds, je parle plus, voilà, tu vois. Bon, j'ai déjà fait le canard, ça va, mais on l'a tous fait, c'est bon, merde.